manque un sort avec lui et ça m'énerve. C'est saigné qui te manque. C'est saigné, oui. Ah, il y avait du 0%. Non, refait silence. Et saigné avec Ifrit, ouais. Ah, sinon, les autres s'en font. Donc, on n'a pas eu d'invocation là. On re-sauvegarde. C'est vrai, ça, on n'a pas eu d'invoque dans cette tour. Pas tout le mais temps on a récupéré le vieux et. Ta gueule! Voilà. Et des bimagies, des conneries. Enfin, ouais. L'arme de Tamatha. L'âme. Arme? Non, âme. C'est une âme. Âme? Oui. Et ce qui correspond au dernier objet que tu chopes aussi dans, oui. dans FF15 quand tu fais les donjons, tu fais les profondeurs. Et qui. Alors. Ça divise de moitié, je crois, les. L'utilisation de PM de Noctis aussi. Je crois que c'est ça. Non, pas Zozo. Zozo. C'est pas la joue. On pourrait éventuellement y aller. Ah, Zozo pour le dragon, tu veux dire? Ouais, ton cas est à côté. Ouais, mais je voulais en fait d'abord aller refaire le plein des terres. C'est ça en fait que je cherchais, c'est une ville. Ah. Pour acheter les terres. Il y a un marchand à Zozo, non? Je sais plus. Ah, mais on dit on va se faire. Oh, des Ascarides, voilà. C'est sur eux que j'ai farmé fait la première session farm. Ah. Bon, pas sur ceux-là, parce qu'eux ils sont nuls. Zozo le orage. Au désespoir, au vieillesse ennemi. Ah, oui, c'est vrai que Strago il a le bâton curatif, merde, on aurait dû s'en servir en fait. Il soigne à combien d'ailleurs avec son bâton curatif? Vas-y, mets une patate. Tiens, un Realm. Play. Ah oui. Ouh. Ah oui, c'est bien. On va le garder. Ah ouais, on va le garder. On va le garder dans l'équipe. Très bien. On va garder CMP pour Ultima. Et... C'est toi qui vois. Soit on peut se faire un ou deux dragons là au passage. Jidour, parfait. C'est là que j'avais acheté des trucs. Soit on pourrait éventuellement retourner dans un, enfin retourner, aller dans un donjon. Pour récupérer des invoques. Bah de toute façon, le dragon, faudra qu'on les fasse. Donc, Et le dragon, ça file une bonne récompense à la fin. Spoil ouais, pas la récompense. Spoil pas la récompense. Je crois que c'est là. Oui, parfait, la lampe d'Aladin. Ah là, hommage à Giloël. Tu as confiance en moi? Alors on va acheter, voilà, tout ça. Ouais, vous avez jamais vu autant de gifs dans un let's play de Final Fantasy. En tout cas pas sur la chaîne. Ouais, tu pourrais faire le plein de partout. Hein. Ouais. Oh oui, fais-moi le plein de partout. Les rangs de portail, allez, on s'en fout. Ça, c'est... On est riche. Ça c'est bon. Ouais. Et du coup, vous pouvez voir en bas qu'on a tous les persos du jeu, en fait. Oui. Ça y est. C'est beau. Hein. Du coup, Même le Mog. Ah oui, moi, il est en plein milieu et tout. Mm. Il y en a 6, 12, 14. Ouais. 14 persos quand même. C'est ouf. Tu as dit, il y en a presque autant jouables dans FF8. Eh oui. Ouais, si tu comptes EDA. Si tu comptes tous les persos que tu peux jouer. Donc Squall, Selfie, Zell, Linoa, Irvine, Quistis, les 6 de base. EDA. Ouais. Laguna qui reçoit, ça fait 10 déjà. Et Cypher au début. 11. Perso, je vois. Il y en a pas un autre même? Bah non. Peut-être le lion là, mais je suis pas sûr qu'on le joue. Je sais pas. Hein. Bon, Zozo ou pas Zozo? Ouais, Zozo, je suis perdu de toute façon. Zozo aussi, c'est Zozo. Bah, C'est là. Oui, ça doit être. C'est à l'intérieur de la montagne. Oui, c'est là. Ouais. Alors, on va sauvegarder. Est-ce qu'on change de perso? Je sais absolument pas. Bon, on peut éventuellement, oui. Je sais absolument pas où est le dragon dans Zozo. Donc, Ah bon? Ouais, il n'y a pas d'info plus que ça, quoi. Mais tu es nul. Bon, ah non, et en plus, c'est dans le mont Zozo. Ah, mais. Ça n'a rien à voir. Heureux, oui, oh. Nous avons enfin récupéré le guide du routard. Oui, donc oui, le mont Zozo, c'est forcément du côté de Zozo. Rappelez-vous de la porte, machin. Oui, c'était bien là.
Oui, c'était là, on la avait taverne. monté. Et en haut, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait une porte qui était bloquée. Oui. Et bah, c'était par là. Ouais. Je crois bien, hein. Je crois bien que c'était ça. Oui, il y avait une porte où, ouais. À l'époque, déjà, elle était fermée, machin, il fallait de l'huile. Oui. Que un vendeur nous vendait dans Zozo, on l'avait ouverte pour accéder au mont Zozo, justement. Ouais, il nous l'a juste donné, hein. Et non, je crois que ça coûtait 1000 boules. On vous vendra de l'huile pour 1000 boules. Oh, c'était cocasse. Oh, oh. Et donc, c'est les guilles, voilà. En plus. Va falloir t'y faire, hein, c'est des guilles. Non, non. Metal Gear. Ouais, non, elle ne peut pas invoquer, elle est interdite. Du coup, faut lui mettre que des invocations nulles. Genre Ondine, par exemple. Ça fait pas mal, mais ça énerve. Hein. Mais ça a un beau petit cul, quoi. Ouais, j'ai que des trucs... Ouais, voilà. J'ai pris que des invocations qui font pas de dégâts. C'est parfait. Toujours utile. Non, bah, on va leur faire un petit brasier plus, ça devrait les calmer. Ou sinon, ouais, Céleste, elle peut mettre des coups d'épée. Mais sinon, tous, ils peuvent mettre des coups d'épée, sauf Strago. Ouais, mais... Je pense que tu one-shot un... Même avec Rhythm... Waouh. Super poney. Récup, ah non, c'est ça qui fait récup. Casser la gueule. Ah, c'est pas ouf. Tu vois, ils ont 6. Ils ont 600 HP, même pas. Je pense que Rhythm en 1v1 avec son pinceau. Elle va les chatouiller à mort. Mais le pinceau dans le nez. Hey. Non, c'était l'autre. Non. C'était évidemment l'autre. Oui. Ah mon dieu, le Mozaza. Alors là, c'était l'ambiance. Ah oui, il y avait des ours voleurs. Là, oui. Oui. Ok. Rends-nous notre pognon. 8000. Putain, Pénélope, calme-toi. Pénélope. Oui. Rends l'argent de l'État. Ah, Pénélope Fillon. Oui, et donc bah, j'essaie de me repérer dans ce bordel. Faudra appuyer juste au-dessus, vous voyez un interrupteur. Si vous l'activez, vous libérez le dragon. Alors, il faudra trouver un interrupteur. Ah, mais on y dans est la pas grotte encore. Suivante. Il n'est pas encore là. Ce serait bien de pas lire le dernier paragraphe alors qu'on vient de rentrer. Oui, mais je procède par. Voilà. Non, procède dans l'ordre, s'il te plaît. Alors, un pas après l'autre. Descendez, faites le tour par en bas. Ah, par en bas. Par ici, d'accord. Oui, c'est le grand tour. Par là, du coup. Ah, mon dieu! Attaquer sur un pont de singe! Bimagie et sidéral, tiens, sur un ours. Prenez la sortie de droite. Oui, attends, je finis le combat. De toute façon, la sortie de droite, y'en a pas. Oui, c'est ça le problème. Mais c'est parce que tu lis trop en avant. Oui, mais en fait, là, il y a marqué prenez la sortie de gauche, puis faites demi-tour. Oui, et en remontant, prenez la sortie de droite. T'as oublié en remontant. Non, il y a pas marqué. Si, en remontant, prenez le bouclier d'Aegis dans le coffre. Prenez la sortie de gauche pour aller chercher. Oui, mais à l'extérieur, faites demi-tour, blablabla. Faites le tour par en bas. Et après, dans la grotte suivante. Mais oui. Là, c'est pas encore là. Comprends-tu? Ouais, la police d'Hyrule qui t'appelle. Elle sent fort. Hein. Ah, mais enfin, je sais pas, faites le tour par en bas, moi ça me paraissait logique. Enfin, de faire le tour. Bah, de toute façon, ouais, mais après, y a pas de minimap, ils sont obligés d'expliquer. Comme ça, tu vas pas là où y'a un cul-de-sac, tu vois. C'est genre, ils donnent le bon chemin, tu vois. On s'est pas compris. Non.
Donc là, on va prendre à droite. Oui, parce qu'à gauche, c'est dehors. Oui, puis c'est surtout, c'est un coffre qu'on a déjà looté, en fait. Oui. Putain, Strago! C'est pas grave, il avait pas pris de dégâts avant. Hein. N'empêche, 5k de heal, quoi, c'est ouf. Ouais, il est balèze, hein. Il va se taper tout seul, ça lui fera du bien. Ah, il s'est barré avec notre argent. Ouais. Salaud. C'est Zerator. Ok. C'est pas lui qui s'est barré avec l'argent des abonnés? Là, avec la ZTV et tout ça. Je sais même pas si c'était vraiment vrai ou pas. Non, mais on s'en fout. On s'en fout si c'est vrai. Ah. Depuis quand on s'intéresse à la véracité des faits? Mais non, mais comme tout le monde dit rend l'argent, machin et tout, alors que personne sait vraiment d'où ça vient, alors que ça vient de chez Zerator, quoi. Oui, oui, voilà. Rendre hommage. Oui, parce que bon, MV, au bout d'un moment, ça casse les couilles, hein, à force. Faut changer, hein. Ouais. Changer de disque, monsieur Torres. Personne n'est dupe. Ça marchera pas à chaque fois la soustraction. Ah, ça marche bien quand même. Mais ouais, mais les magies bleues sont plutôt pétées. Ouais, mais il y en a qu'une. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut pour les trouver toutes, quoi. Là, ça demanderait vraiment du gros gros farm. Ouais, puis. Ouais, tu pourrais le faire dans le Velt, hein, d'ailleurs. Putain. Ferme ta gueule. Mais c'est pas moi. Ferme-la. Mais non, mais du coup, moi, je fais attaquer, puis je lui remets que 5000. Mais. Parce que tu me parles et tu dis, vas-y. Sois viens. Attentif. Et si tu farmais encore pendant 8 ans? Oui, super. Ça m'éclate. J'ai pas dit il faut. Il faudrait. Attends, mais elle envoie combien de magie là? Ah non, je croyais que j'avais fait Atomium, Sidéral, Atomium. Je croyais que j'avais passé un niveau de bimagie et que maintenant je l'envoyais 3. Parce que tout à l'heure j'ai eu un souci aussi. Fait beaucoup d'indépendance. Ah ouais, c'est trop indépendant. Voilà. Wop, wop. 2500 gils. Putain. Bah rigole. Ok. Bon, l'interrupteur donc. Bah apparemment. Ah non, c'est le point de sauvegarde qui est biaisé, je crois. Non, bah non, pas du tout. C'est pas là où il y a le dragon? Dans la grotte suivante, vous voyez un point de sauvegarde juste sous le rayon de lumière gauche, oui, juste en dessus, vous voyez un interrupteur. Si vous l'activez, vous libérez le dragon. Ah, je savais bien que c'était lié à ça. Oui, c'est l'interrupteur qui est lié, pas le point de sauvegarde. Le point de sauvegarde, c'est un point de sauvegarde. Oui, mais c'est un point de repère. Oui, c'est un point de repère. Non, c'est un point de sauvegarde. Putain. Le Perceval et Caradoc. Non, c'est un point de repère. Non, c'est un point de sauvegarde. Oui, mais c'est un point de repère. Les repères par rapport à quoi? De toute façon, selon comment on est tourné, ça change tout le temps. On s'est même fait chier avec Wattenor. Tu sais que je peux même pas mettre des extraits de Kaamelott dans mes vidéos parce que c'est striké direct. Non, ça strike pas. Ah si, ça strike. Ah, Kaamelott, tu peux le retrouver sur YouTube tu pouvais. Très facilement. Tu pouvais. Maintenant, ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ou alors, tu retrouves des versions où t'as l'image, elle fait 3 cm de large et c'est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est dégueulasse. Et ça n'a aucun intérêt. Dans ces cas-là, je mets que le son, tu vois. Ifrit, pour saigner. Ren, pourquoi elle a Kirin déjà? Fenrir. Bon, bref, on s'en fout. Oh mon dieu, j'ai été attaqué par des orbes. Gish DX, viens à ma rescousse. Alors, toi, Bimagie. Voilà. Vu que t'as l'air d'être un gros 6 hétéro dégueulasse, petite Bimagie. Oh, je vais me faire des ennemis. Tu crois que Marlar, elle va me taper? Bah non, justement. Bah si, je me suis moqué de voilà. LGBT plus. LGBTQ, en fait. Ouais, j'avais plus l'impression que tu faisais de l'hétérophobie, mais bon. Ça n'existe pas, monsieur. Calmez-vous. Tu veux dire, comme le racisme anti-blanc? Une petite tente. 50 degrés de lecture, les gens vont être. Une petite tente en plus, tu sais, pour rajouter. Putain. Tu
Tu t'enfonces, Truc. Oui, je sais, oui. J'adore ça, c'est rigolo. J'aime bien démêler les pataquès. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Oh, un coffre. Ah, mais il y a un dragon dedans. Oh, il est stylé, il est vert et noir. Oh, putain, c'est Dracaufeu X de Pokémon X, mes couilles. Ah, eh, t'as vu, je l'ai bien intercepté. Hein. Genre, en fait... Pause. On a même pas changé de groupe. Genre, non. Genre, en fait, cette Zer, il l'a attrapé par l'oreille au passage. Et... Viens là-bas, viens vas-y, toi. Le Dragorage. Oh, c'est un jeu de mots. Eh oui. Bourrasque. C'est un Pokémon. Un Pokéfion. Alors, ça fait mal. Alors, soin plus. Et sidéral. Je pense que ça va le calmer un petit. Oui, ça va le calmer. Hein. Je pense. Il y a des gros dégâts sur toute l'équipe, hein, si jamais. Oui, mais pas en fin de combat. Pour l'instant, il m'a tapé, ça a fait 800 à tout le monde. Sauf à Céleste. Et faible, tu veux le savoir ou pas? Non, on s'en fout. Il est faible ça, face à Ultima, quoi. Oui, Cyclone, ouais, mais regarde. Non, mais là, Cyclone, ça marchera pas. Et non, mais même, c'est... ça touche tout le monde. Comme ouais. Séisme. Oh, comme... La vache qui rit, oui. Comme la vache qui rit. Ah, mais tu connais pas. Dans FF8, il n'y a pas ça. Je sais plus. Non, il est sensible à Ultima. Apparemment. Il est sensible à la foudre, surtout. Oui. Oui, mais est-ce que la foudre, ça lui fait 9999? Oui, si. Et ça coûte moins cher. Ah oui, mais bon. Bon, après, une autre tente, c'est bon. Voilà. On n'est plus à une tente près. Ouais. Non, on va essayer de l'empoisonner pour rigoler. Attends, tu veux dire que le drag orage, il est sensible à la foudre? Mais oui! C'est complètement con. Oui. Après, c'est un jeu japonais. Mais... Bon, pour l'instant, les gros dégâts de raid, de groupe, j'attends. Bah écoute, tant mieux si on les voit pas. Essaye un gros foudre X. Ouais, qu'on doit faire foudre plus et foudre non. X. Non, mais je peux en envoyer deux, alors autant faire, tu sais, voilà. Du spectacle, putain! Merde, Michel Jarre! Youtubeur, quoi. 4... Ah oui, 4000, donc ça veut dire que le foudre X, il aurait fait 9999. Ouais. Pour moins cher. Ouais, les gros dragons. Ah, gros sur un dragon. Il y avait 42 KHP. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. En même temps, à 5 ultima par tour. Armure France. Ah bah, c'est bien, on en a déjà une. Oui, c'est bien, c'est leur force. Il reste 4 dragons. Il reste 4 dragons. Veux-tu enchaîner sur un autre dragon? Eh bien, pourquoi pas. Alors, direction l'Opéra. Ah oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Ah oui, si, 2 secondes. Parce qu'on a gagné des trucs avec Stragon, qu'on a gagné des trucs. Oui, Poison, la girafe. Soin plus. Heureux, donc on se dirige à l'opéra. Alors je ne chanterai pas ce coup-ci. Oh, ah, t'avais coupé? Quoi? Bah oui, j'avais coupé, bien sûr. Bah attends, oui. On a dit... C'était rapide. Alors tu ne sais pas où on va? Si, je crois qu'il faut aller dans la loge. En fait, faut parler à Jean-Michel. Oui, salut, Tu vois, je savais où on allait. Salut. Si je me rappelle bien. Un dragon est assis en plein milieu de la scène. Ok. Et pour que va? Occupons-en-nous-en. Et si on lui défonçait la gueule? Il faut descendre. Alors l'accès à la scène, c'est pas là. Je crois que si, il fallait. Par le. Non, peut-être pas là alors. Les gens te jugent. Ah mais certainement, je m'en fous. Quand on... Maria, tout ça, Céleste, tu sais, on passait, vas-y, en bas, sort. En bas à droite. Ouais. Ça, par contre, la musique de le... Mais ferme ta gueule. La musique de l'opéra fait très FF9 pour le coup. D'accord, je t'en mets. Non mais si, je pourrais me laisser en placer une de temps en temps quand même. Merde. Avec tout le travail que j'abats sur ces let's play. Oh mon héros, bla 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 bla.
Tu devrais tirer sur mon doigt. C'est pas là. Par là. Non, c'est pas okay. là. Ok. Y'a pas une indication quelque part hein. Y'a le script. Alors, on s'en branle, on s'en branle. Il est loin de moi. Y'a Cure qui vient de se retourner. Elle a bien raison. Elle me juge. Elle a bien raison. Na 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 na. De l'autre côté, peut-être. Ou ici. Peut-être. Hmm. Parlons, monsieur. Allez, parlez à la place. Mais c'est ce qu'on a fait. Peut-être il faut lui parler deux fois pour qu'il nous envoie sur scène. Ou je sais pas où, peut-être que le premier endroit où tu partais, c'était vraiment le bon. Mais non, il n'y avait pas de porte. Sinon, je serais rentré. Mais non, mais si. Vas-y, remonte. Mais non, j'ai bourré le mur, il n'y a rien. J'ai appuyé sur... on ne peut pas. Non, je te parle pas de l'endroit où tu étais avant, je te parle du premier endroit où tu commençais à te rendre et que je t'ai dit « Ah non, en fait, c'est peut-être en bas, là. » Là, mais de l'autre côté, quoi. Voilà. Parce qu'il y avait un petit escalier. Oui, comme là. On arrive au-dessus de la scène, là. C'est possible. Peut-être qu'il faut ressauter. Comme avec Tonton Ultros. Au moins, il n'y a pas les rats. Oh, putain, les rats. Ah oui, ah oui. Les rats étaient tellement infâmes. Ah, tu peux peut-être lui jeter le 4 tonnes sur la gueule. Ça ne marche non. pas. Bon, il n'y a rien marqué sur la... Mais non. Pour affronter le dragon Gaïa, aller à l'opéra et parler à l'impresario. Aller ensuite dans la pièce en haut à droite. Et voilà. Activer la troisième manette pour vous retrouver face. Voilà. J'adore ce celui qui est... Mais t'as qu'à lire jusqu'au bout. Alors Farouzia, il va se calmer. Mauvaise foi, man. Oui, un solus. Bah oui, mais si tu lis pas jusqu'au bout du paragraphe aussi. Heureusement, tu fais pas les news sur les faits divers. Hein. Non, non, mais... Un homme est mort. Écoute, oui, mais où, quand, liste... comment. T'as une liste de 8 dragons. J'invite tout le monde à aller sur Finaland, rubrique, page, la quête, les 8 dragons légendaires. Hein. Je vous invite tous. Vous verrez, il y a 8 dragons. Et il y a une indication juste pour le dragon qu'on va affronter. Où il est exactement. Tout le reste, c'est démerdez-vous. Alors d'accord. Je veux bien. Alors, attends. Alors, je veux bien. Mais bon, partant de ce principe, vu que les autres dragons, on a dû les retrouver dans les pages du guide à des endroits très précis, comme le passage pour récupérer Saiyan. Là, vous avez un dragon à affronter, machin. Là, il n'y a aucune autre indication, sauf pour le dragon qu'on va affronter aujourd'hui. Alors, je veux bien. me faire traiter encore une fois de mauvaise foi man. Le gros enculé. Mais voilà, au bout d'un moment, si on m'habitue moi dans une soluce à me démerder par moi-même. Il a dit m'habite. Je peux pas non plus. Alors attends. Comprendre par moi-même qu'en fait la solution est devant mes yeux et qu'il faut pas que je la cherche. Le troisième. Oui c'est ça, la troisième manette pour vous retrouver face au. C'est marqué là. C'est marqué là, mais t'as aucune autre indication sur les autres dragons. Oui, mais... voilà. Donc quand t'es habitué à avoir aucune indication sur les autres dragons, tu fais pas forcément gaffe aux dragons... Il faut pas s'habituer... Foutez-moi la paix, monsieur Khan. Il faut jamais s'habituer aux choses. Vous êtes... C'est infamant, c'est diffamant, monsieur, même. Jusque-là, à dire... voilà. C'est anticonstitutionnel. C'est souhait. Vous êtes tellement habitué à être assisté que vous attendez qu'on vous donne toutes les réponses. Prenez plus la peine de chercher, monsieur Torres. Oui. Alors, dégage toi. C'est plutôt même l'inverse. Ne vous trompez pas, sinon on pointe dans ta gueule. Donc c'est la dernière. Mais non, le troisième. Et tu vois, il écoute pas. Alors que en partant de haut. Putain mais. Voilà. Et c'est pour t'embêter. Oh là là. Après ce dragon, je quitte ce let's play. C'est-à-dire qu'il s'est limé le visage sur la scène. Ah, c'est un direx. Je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour cette blague. Oui, parce que c'est un dragon Rex, tu vois. Ben oui, d'accord. C'est logique. En même temps, c'est très cohérent avec le skin. Oui, au lieu de dragon Gaïa. C'est ça, c'est le dragon Gaïa, celui-là. Oui, c'est Dragon Gaïa. Pour le coup, je trouve que Dragon Rex, c'est vachement plus cohérent.
C'est quand même un tier X, quoi. Oui, si vous voulez. Mais non, mais je suis désolé. Bon, c'est... Ah, direct, il a pas le temps, lui. Allez, alors, bimagie. Ah, il s'est raté, bah en même temps, c'est un tier X. Voilà, bimagie, soin max atomium. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit jackpot. Allez, la maîtrise. Invasion de chocobo. Sur scène, ah, les gens, ils vont kiffer. J'espère qu'il faut pas faire caca sur le bois. Ce serait ça, là. Ça rend bien, quand même, Atomium, avec le filtre rouge. J'aime bien. De Chocopic. Chocopic. Et paf. Ah bah, merci. Et double Ultima, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que voilà, on a un let's play à faire tourner, faut faire des épisodes. Par contre, Sidéral, c'est pas très beau. Ah si, moi je le trouve encore assez stylé. Bah après, c'est l'espèce de vrille qui est... En arrière-plan, ouais. Ouais. Un peu perturbant, mais bon. Là, c'est très... Neo Tokyo qui explose. Je crois qu'il a pas beaucoup de vie, celui-là, à la base. Oui, oui, il en avait 28 000. Ouais, c'est un des plus faibles. C'est un des plus faibles, mais il frappe fort, en vrai. Il m'a quand même enlevé quasiment 3000 d'entrée. Il reste 3 dragons. Mais c'était facile, Robin. Oh, vous avez essayé une fois de plus. Eh oui. Ouais. Ma récompense. Oh le bâtard. Mais oh, bâtard. T'es censé avoir récupéré quelque chose. Oui, non, mais j'ai récupéré quelque chose. Mais lui dit, ah, vous nous savez sauver, puis c'est tout, quoi. Tu sais, c'est Vivaldi. Tu vois, dans... C'est un sceptre que t'as récupéré. Vivaldi, tu vois qui c'est dans... Dans The Witcher. Dans quoi? The Witcher. Oui, oui. Le banquier. Bah ben voilà, c'est pareil, oui. C'est un connard. Quoi. Un sceptre. Non, tu dis ça parce que c'est un nain. Non, parce que c'est un connard. Enfin... Non, mais vous êtes raciste, monsieur. Envers les non-humains. Bah si, ouais, apparemment, sceptre de Magu. Non, mais est-ce que toi, tu as lu ce qu'il y avait marqué à l'écran? Non. Ah oui, c'est Bâton de Magus. Bâton Magus, voilà. Ouais. Ah, esprit 46. Hein. Bon, on soignera plus au corps à corps. Voilà. Pas très grave. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, pour ça, il faisait mal, parce qu'il avait 210 en attaque avec le bâton curatif, en plus. C'est pour ça qu'il soignait bien. C'est, en plus, c'est un bâton qui fait des dégâts. Enfin, qui a de la pêche, qui a de la patate. Ah, pour justement défoncer du zombie, très très intéressant. Ouais, ou défoncer tes potes, mais dans la paix du Saint-Esprit et tout team. On n'a plus aucun dragon dehors, je crois. Yep, il en reste 3, après ils sont indoors. Je crois que... Putain, mais je crois que je me suis arrivé à arrêter au bon endroit, en plus, sans faire exprès. Oui. Ah mon dieu, je ne peux pas parce qu'il y a le château à côté, je vais l'écraser. Et donc, oui, je t'entends taper, c'est bon. Tu m'entends taper? Je t'ai vu.